Voilà, bah, tu reviens légèrement dans l'hiver. Vous avez accueilli une fête pour les Roms dimanche dernier, donc c'était la fête de l'honneur des Roms, c'est tout un programme ça. Ouais. Votre opinion là-dessus? Mon opinion sur les Roms. Sur la discrimination quand même réelle. Ouais, qui sur les Roms, déjà je voulais quand même dire que notre programmation n'est pas faite en fonction de la politique, née en fonction des événements qui se passent sur place. Ça tombait par hasard, c'est quelque chose qui était préparé depuis 6 mois et c'est pas de notre faute, c'est Sarkozy, il s'est mis à l'heure du jour, se mettre vraiment dans la semaine des Roms qu'on fait ici, qu'il y a eu les événements qu'il y a eu. Mais effectivement, j'ai mes opinions sur les Roms et sur autre chose. Moi, ce que je trouve inadmissible, c'est la France aujourd'hui, depuis un moment, c'est vraiment comment on va faire plus, toujours plus dans la discrimination, dans... Le climat durcit, c'est ça. Dans les injures, dans l'humiliation et le vivre ensemble. Et tout ça, ouais. je pense que Sarkozy, depuis un moment, plus il est mal, plus dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, effectivement, on a un atout dans la poche, c'est de ressortir l'insécurité, de ressortir des choses effectivement que les gens, la population, les Français, plus ou moins écoutent des oreilles, en même temps, ils trouvent toujours des gens qui vont l'écouter par rapport à ça, parce que dès qu'on parle de l'insécurité, effectivement, les gens ils croient qu'on s'occupe d'eux. Mais ce qu'on oublie, ça fait 10 ans quand même qu'ils s'occupent de ça, quoi. C'est pas d'aujourd'hui qu'il a commencé. Et en plus de ça, j'ai l'impression qu'il y a encore du travail à faire par rapport à l'insécurité. C'est sûr qu'il y aura toujours des faibles, il y aura toujours des plus forts et il y aura toujours des choses à faire. Mais Sarkozy, j'y crois pas du tout une seconde, il arriverait avec une solution miracle. Je crois que c'est pas en enlevant de la police de proximité, par exemple, qu'on pouvait dire qu'on va faire de la sécurité, et on va taper les gens, on va leur enlever la nationalité, ou on va les mettre en prison. On mélange tout, quoi. Pour revenir au Roms, Méziam, quand même, les annonces étaient dures, quoi. C'est expulsion de tous les campements en situation illégale. Ils sont tous en situation illégale, donc... Il a utilisé les Roms comme il aura pu... C'est la chasse à l'homme, quand même. Il aura pu utiliser d'autres, mais les Roms, où c'est encore plus grave, c'est qu'on parle de l'Europe, c'est la France qui parle de l'Europe. Il y avait un vote sur l'Europe dans lequel on a dit non. Il y en a une partie de la population qui a dit non. On leur a dit, mais vous êtes fous. Et finalement, on a dit oui. Avec le oui, aujourd'hui, on se rend compte, les Roms, normalement, ils sont européens, quoi. On parle de Schengen, on parle des frontières, on parle des choses. Et s'ils sont européens, je ne vois pas pourquoi on va les expulser. En France, la France, c'est l'Europe, et les Roms, ce sont des Européens comme nous, comme vous, comme plein de tous les Européens. Vous gardez toujours espoir, finalement, parce que vous êtes arrivé heureux dans ce pays, plein d'espoir. C'est vrai. Vous sentez toujours bien en France, espoir, je le nourris tout seul avec mes amis, avec des gens que je rencontre comme vous, comme plein d'autres. Après, je me crée ma propre famille et je garde l'espoir parce que je suis quelqu'un qui veut se battre, qui veut pas se dire voilà, il y a de l'injustice et du coup, il faut que je me sauve. Mais effectivement, si un jour je me sens vraiment menacé, là je crois que je vais prendre des décisions peut-être de quitter la France. Mais je n'ai pas envie aujourd'hui que ça soit par rapport à une politique donnée, que de prendre de toute façon ça les arrangerait. Si tous les gens qui sont dans l'opposition partent, ils sont contents. Et du coup, moi, j'ai... De toute façon, les politiques passent, hein, les politiques passent. Voilà. Du coup, je ne suis pas là pour leur faire plaisir, en fait.
Et je suis là pour vivre avec mes amis et avec des gens que je reçois, les gens qui me reçoivent et avec les gens avec qui je partage, quoi. C'est ça qui m'intéresse. Merci en tout cas, merci mes amis. Je vous en prie. Et la soirée, à la terre, à la voilà, c'est l'église, tout là, mais le verre. C'est un mot de verre, 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 c'est un mot de verre.